Qu'est-ce que tu as écrit en fait en ce moment? Essaie de le lire doucement. Est-ce que tu arrives à le lire en fait? Alors, je vais te lire ce que tu as écrit. Tu as écrit Zoar. Donc, je pense qu'il faudrait que tu le recommences depuis le début. C'est un mot très difficile. C'est normal que tu puisses te tromper. Hein. Tu recommences tout. Tout depuis le début. Enlève le petit poème. Voilà. Et prends ton temps maintenant. Alors, Alice, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui t'embête? Je ne comprends pas parce que. Il y a deux S et j'essaie de voir où se place le deuxième S. Alors, essaie de lire ce que tu as écrit, vas-y. Lis le plus fort. Par-soir. D'accord, donc toi tu penses que tu as écrit par-soir. Moi je vais te dire ce que tu as écrit, d'accord? Tu as écrit Pasoir. Est-ce que ça t'aide? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est alors le problème? Il faut mettre deux S. Et pourquoi? Parce que entre deux voyelles, ça fait Si tu ne mets qu'un S, oui. C'est ça? Et quand tu en mets deux? Ça fait. Et voilà, le piège était là, mais c'est très bien. Voilà, tu l'as trouvé. Oui, je t'ai vu regarder le S qui est ici et je te voyais regarder en haut tout le temps. Qu'est-ce que tu regardais? Ici. Oui. Qu'est-ce que tu regardais en fait? L'être qu'on avait fait. Et il y a quelque chose qui t'a embêté? Non. Non. Mais après j'avais vu, j'avais mis un S. Oui. Et qu'est-ce que tu en pensais? Ben il fallait en mettre deux. Et pourquoi? Parce que sinon ça fait Z. Hey, tu as raison. Et comment tu t'en es rendu compte que ça faisait z dans Pouzette? Parce que je regardais parce qu'ici il y avait deux S. Oui, mais en regardant ici, moi je t'ai vu beaucoup regarder ce mot. Dans ce mot ici, le S fait quel son? Z. Z. Et dans Poussette, parce qu'on entend. Alors du coup, comment est-ce qu'on fabrique le son? Avec deux S. Allez, tu peux donc rectifier. C'est bien parce que tu t'en es rendu compte en fait tout seul. Sinon, je serais venue te voir et je t'aurais dit, je crois que tu as écrit Pouzette. Quel est le son dans Poussette que tu as rencontré, qui est un petit peu compliqué? Et. Et. Alors, il s'écrit comment le son et? E-T-E. Voilà, on dit E, deux T-E. Est-ce que tu l'as déjà rencontré dans des mots? Oui. Dans quel mot? Je ne m'en rappelle plus du mot, mais j'étais regardé dans Violette parce que et, je ne savais pas ce que c'était. Tu ne savais pas comment ça s'écrivait? Oui. On avait été voir sur l'affiche de Violette. Ici, la fille de Violette. Qu'est-ce que tu viens de faire, Luc? Je viens d'écrire... Des mots? Oui. Mais de quelle dictée? De dictée muette. Combien d'étoiles? 5. Cinq. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit pantalon. Oui. Nénuphar. Pharmacie, ampoule. Bon, alors moi j'ai des petites questions à te poser. Moi je sais alors, que je suis trompée. Ah bon? Déjà tu le sais? Oui. Où? Parce que
le nénuphar, il faut pas que le F, il faut aller le P, le H. Ah, ça veut dire que quand tu as écrit, oui, en fait, tu as bien écouté les sons. Mais tu as oublié de regarder exactement les lettres que j'avais proposées. Moi, je lis nénuphar. Est-ce que tu penses qu'on dit nénuphar ou nénuphareux? Nénuphar. Voilà. Donc, déjà, il n'y aura pas de E. Et en plus, ici, je n'avais pas proposé de E tout seul. Bien écrit. Ampoule, moi je lis bien ampoule. Par contre, je vais te dire quelque chose. Dans le modèle que moi je t'ai donné, je ne vois pas le N. Ah. Je ne sais pas où il est. Comment ça se fait que tu as mis un N, toi? Parce que j'avais pas regardé le début. Et toi, tu as voulu écrire le son en? Oui. Le han de quel mot? D'Anthony. Voilà, le han d'Anthony. Tu t'es bien débrouillé parce que tu as bien réfléchi. D'accord? Mais par contre, tu ne dois pas oublier qu'il faut regarder les lettres que je propose. Et du coup, le son han, il s'écrit comment? Le A, le M. Eh oui, c'est un piège. Oui. Mais c'est comme ça. Si l'année prochaine, tu dois écrire le mot ampoule, tu l'écriras avec le A et le M. C'est la bonne écriture. Et c'est un sac à main. Pourquoi? Parce que l'ampoule qu'on a... L'ampoule qu'on a où? Sur le doigt ou sur les pieds. Et l'ampoule qui fait la lumière. Donc ça s'appelle un sac à main. Oui. D'accord, c'est le même mot qui s'écrit exactement de la même façon, mais qui veut dire une chose différente. Oui. Arrive Chiara. J'ai l'impression que tu regardes beaucoup le mot et que tu te poses des questions. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que le F n'est pas sur phare. Tu as raison. Ici, le F n'y est pas. Donc tu ne peux pas l'utiliser. Alors ça veut dire, Chiara, que si le F qui fait F n'y est pas, il faut que tu trouves une autre solution. Est-ce que tu aurais une petite idée? Non? Alors, moi, ce que je te propose, je n'ai pas envie de te donner la solution, mais j'aimerais que tu ailles chercher le livre du son. Tu veux bien? Allez, amène-le-moi. Alors, Chiara, qu'est-ce que tu as amené? Je crois que j'ai trouvé la réponse. Et alors? Parce que j'ai amené le livre F. Du F, oui. Et donc, à ton avis, comment peut s'écrire phare? Le son F. P et H. A. Donc le son F s'écrit comment? P et H. Voilà. On l'avait vu déjà avec d'autres mots. Est-ce que tu t'en souviens? Non. Non. Alors tu pourras regarder tout à l'heure dans le livre. Mais tout à l'heure, dans le livre du son F, tu verras qu'il y en a plusieurs. De faire, je viens de faire les points pour dire que j'ai fini ces lettres que j'ai données. D'accord, ça t'aide quand même pour savoir quelle lettre tu as utilisée. Parce que c'est quand même un long mot par rapport aux autres mots. Hein. Donc tu as déjà utilisé 4 lettres. J'ai fait pharaon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait comme son un petit peu compliqué dans pharaon? On. Alors le son on, oui. Tout à la fin et au tout début. Le... Alors? Mais j'ai regardé sur sa table. C'est très bien. Ça t'a aidé pour écrire le feu de pharaon. Super. Tiens, quand je vais tout en bas, je vois pourtant le mot flûte. Est-ce qu'on entend le son feu? Oui, mais c'est pas le même. Parce que le son
peut s'écrire comme ça et comme ça. Voilà. Alors, il s'écrit le plus souvent avec le F quand même, d'accord? Mais il y a quand même quelques mots qu'on trouve avec le P et le H. Est-ce que je peux voir oui si c'est bien écrit par... Oui, bien sûr. Aussi déjà flûte, oui. C'est la même image. Oh, c'est moi qui l'ai mise, c'est normal. Alors, il n'y est pas finalement ce mot fort. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en pense que c'est très bien le fait. Et tu sais que tu peux aussi retourner ta carte maintenant, là-haut. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit une passoire. Où ça? Ici, ma poisson. Tu as écrit tamboureux. Est-ce que le E était dans les lettres que j'avais proposées, moi? Non. Après, j'ai écrit papillon, oui. Crevette et... Alors, à crevette, je vois que ici il y a up, deux T. Et moi, je vois que tu n'en as utilisé que un. Alors, à ton avis, où est-ce qu'il peut se rajouter? Alors finalement le son être il s'écrit comment? Et qu'est-ce que tu as écrit en bas? Plante. Dans le mot plante que tu as écrit, il y a combien de lettres dans ton mot à toi? D'accord. Ici, il y en a combien? Et qu'est-ce que tu as écrit finalement? Pente. Tu as écrit pente. Alors, moi je lis bien ardoise, chaton, orange. Et en bas, je lis poison. Poison? Oui, je lis poison. Alors, pourtant, c'est un... poisson. Voilà. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il faudrait faire? Ah oui, il faut effacer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Il faut effacer le S. Alors, si tu effaces le S, tu vas remplacer comment, par quoi? Je sais pas, là. Alors, poisson. Il faut que tu arrives à fabriquer le son S et pas le son Z. Alors, essaie de te souvenir. Bah, faut effacer lui. Celui qui est tout au bout? Oui. Et qu'est-ce que tu vas en faire alors? Je vais le mettre... je sais pas. Alors, je vais te donner un indice. Dans Nassim, on entend S. Je sais. Ah, ne nous donne pas la réponse. Mais il avait trouvé. Voilà, il y a deux S pour faire le son S. Du coup, j'efface eux et ils sont au bout. Ou alors, tu le rajoutes juste ici. Tu as la place de le rajouter juste là. Vas-y. Voilà. Alors là, je vais te dire ce que je lis. Poisson. Voilà, je lis poisson. Comme dans Nassim où il y a deux S. Et pourquoi est-ce qu'il faut deux S là? Parce que sinon, ça fait poison. Et donc, en fait, tu sais, on avait dit qu'entre les deux voyelles, s'il y avait qu'un S, ça faisait Z. Comme Loïs, il voulait écrire poisson et il a écrit poison. Lui aussi? Oui, oui. Tu te rappelles quand on faisait les phrases? Oui, il avait... Ah, peut-être, non, ah, je ne me souviens plus. Alors, Loïs,
Donc moi, je t'ai dit de bien utiliser toutes les lettres que j'avais écrites. Alors, quand je regarde ici, je lis bien chaudron, aucun problème. Par contre, mon souci, c'est que dans chaudron ici, je ne vois pas de haut, alors que chez toi, je vois de haut. Dans mon mot, dans les lettres que j'ai mises, pourquoi est-ce qu'il n'y a que un haut? Parce que l'autre qui fait le O, c'est le A et le U. Ah, donc tu avais repéré déjà? Non, pas quand j'avais écrit, je l'avais. D'accord, repéré. Tu l'as repéré après. Oui. Donc effectivement, pour faire le son O de chaudron, c'est bien le A et le U. Est-ce qu'on avait un mot qui nous aidait à trouver le son O qui s'écrivait A et U? Oui. C'était lequel? Automne. Voilà, c'est exactement le son O de automne. Donc tu peux y aller. Voilà, super, tu peux garder son cheveu, c'est très bien.